arrivé ce matin. Vous étiez en retard? Non. J'étais en première. Bien. Ne vous refusez rien. C'est Gaston. Hein? Oui. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. C'est gentil. Oui. Et puis pour une surprise, c'était une surprise. C'est la première fois que je monte en première. C'est pas Paul qui ferait ça. Il est pas délicat. Il s'en fout de notre mariage. Il s'en fout complètement. Oh, tu exagères. T'as quand même acheté un col en mauve. Oh, c'est vrai. Mais t'imagines, avec mes varices. Tu pourrais le mettre une fois au moins. À mon âge, j'aurais l'air de quoi? Eh, dis-moi, les premières, c'est comment? C'est les gens surtout. Et puis, c'est plus spacieux. Mais les gens habillés, pas pour aller au travail. Propre, pas usé. Frais, quoi, et pas nombreux. Ah, je me demande ce qu'ils pouvaient faire là à 7h du matin lundi. Peut-être qu'ils vont surveiller l'arrivée de leurs employés. Ah, peut-être. Ou bien ils partent en vacances. Hein? Et ils prennent le métro plutôt qu'un taxi. Parce que c'est plus sûr. Avec les embouteillages. Oh, ils ont raison, ça c'est plus sûr. Regarde, nous au bureau, on peut dire à la minute près, on sait. Ça fait 12 ans, moi. Jamais en retard. Je parle pas des périodes de grève, hein, bien sûr. Ça, c'est spécial. Mais autrement... Moi, oui. Ça pourrait être régulière, on est régulière. Mmh. Oh, mais on parle et c'est là. À demain. Encore en première? Non, non, il a acheté un carnet parce que c'est moins cher. Mais le prochain ticket, c'est pour la Sainte-Sabine. Mmh, c'est gentil quand même. Allez, au revoir. C'est rien. Votre carton à dessin ne me dérange pas, vous pouvez le laisser là. Non, je vais le mettre sur mes genoux. Non, non, je vous assure que c'est inutile. Pourquoi êtes-vous monté dans cette voiture? Parce qu'elle est en face de la correspondance. Ah. Nous la prendrons ensemble. Ainsi, je pourrai porter votre carton. Il n'y a pas de mais, Ophélie. Non. Qui vous l'a dit? Ophélie? C'est drôle. Il est écrit sur ton visage. Il est écrit dans ton regard. Il est tracé dans tes longs cheveux. Et pour ne pas l'oublier, tu l'as même écrit là, sur ton carton à dessin. Je suis bête. Que tu es drôle, Anatole. Mais toi, comment le sais-tu? Il suffit de regarder ta figure, ta bouche, ta barbe mal rasée, la façon dont tu tiens ta tête un peu penchée, tes jolies mains et ton poignet gauche, entouré d'une chaîne avec une plaque sur laquelle est gravée. C'est idiot de porter une chaîne avec son prénom. Oh non, seulement un peu ridicule. Et ça va bien avec ton personnage. Oh, tu sais. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas possible. Quoi? Nous parlons comme ça.
sans avoir été présentée. Ah, c'est toi qui as commencé? Ah oui, mais involontairement. Par réflexe. Tu as cru comprendre que ton carton à dessin dérangeait Anatole. Oui, alors j'ai dit... Oh, pardon. Et tu as rougi aussi. Si tu n'avais pas rougi, je n'aurais peut-être pas fait attention à toi, je n'aurais pas vu la couleur de tes yeux. On dit ça. N'empêche que dans le métro, les hommes regardent toutes les jeunes filles. Même celles qui ne rougissent pas. C'est peut-être pour les faire rougir. Oh non. Pas du tout. C'est parce qu'ils sont un peu cochons. Moi, ce n'est pas mon regard qui t'a fait rougir. Ah oui, mais... Toi, tu n'es pas n'importe qui. T'es Anatole, c'est différent. Des Anatoles, on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Et encore pas tout le monde. Et puis quand on les rencontre, on peut les regarder, leur dire « Oh pardon !» Baisser les yeux. Les laisser continuer leur chemin jusqu'au terminus. Ou refuser de prendre la correspondance avec eux. Ou accepter de prendre la correspondance sans bien réaliser ce que cela peut signifier pour l'un et l'autre. Il y a des millions de gens qui prennent la correspondance sans même se rendre compte de ce que cela représente. Heureusement. Pourquoi? Ah non, Ophélie. Non, je ne dirais pas ce qui m'est venu à l'esprit. C'est bête. Tellement bête que tu refuserais. Tu sais, je suis subjuguée par toi. Alors, je ne contrôle pas très bien ce qui me passe par la tête. J'ai beaucoup de mal à croire à ce qui m'arrive. Et les stations défilent, les gens. Les autres ne sont plus qu'un décor. Ils n'ont plus de regard. Leurs yeux sont des machines à lire, à jouir, à envier. Et la rame qui va s'arrêter, j'ai mal au cœur. Tu comprends, Ophélie? Parce que je n'arrive pas à croire que tu vas descendre avec moi pour prendre la correspondance. Et puis, je ne sais pas quelle direction tu vas prendre. Ah, mais voici, Lara, veux-tu que je porte ton carton à dessin? Non. Allez, descends. Après toi, passe. Ma claque aujourd'hui. Moi aussi. J'ai dépassé les 12 000. Pas possible. Si. Hier, j'étais un peu KO. J'ai trop bu à midi, j'ai pris du retard. Et il fallait que je rattrape à cause de la prime. Mais j'en peux plus. 12 000 hein? J'ai jamais fait ça. Mais... Moi si. L'année dernière, pour acheter la bagnole. Presque tous les jours. 3 mois pour le versement à l'achat. 12 000 essuie-glaces par jour pendant 3 mois pour acheter une bagnole. Ah, seulement le premier versement. Pour la bagnole entière, je n'ai jamais fait le calcul. Des millions. Possible. Et quand tu conduis, ça te fait quoi les essuie-glaces de ta bagnole sous la pluie? Moi? Jamais je les fais marcher. Jamais. Et alors? Je m'arrête. Je vais boire un coup et si ça passe pas, je mets la bombe. Quelle bombe? Un produit qui fait glisser l'eau sur le pare-brise, des grosses gouttes, et je roule doucement. Et si j'ai ma bourgeoise dans la voiture, elle prend le volant. Ça te marque à ce point-là, ton boulot? 21 ans que je fais de l'essuie-glace. Autrefois, c'était calme. À la chaîne, bien sûr, mais... Sans machine, assemblage à la main. On causait. Aujourd'hui, tu vois, toi qui es jeune, t'en es à 8 000 parce que t'as pas le coup de main. Moi, à 12. Mais dans 10 ans, t'auras plus qu'un bouton rouge et un bouton blanc, de la musique dans les oreilles pour pas dormir et t'en feras 100 000, 1 million, 1 milliard, à toi tout seul. Allez, salut. À demain. Salut.
j'entends. C'est par ici. Oui. Allons. Allons. C'est beau. Oh, ça me donne envie de danser. Pourquoi pas? Où ça? Là? Et ton carton à dessin? Justement, on va danser dessus. Il est bien assez grand pour la valse. Dites-moi, monsieur Lavague, voici de l'argent pour que vous jouiez cette valse, jusqu'à ce qu'on en ait assez de l'entendre. Merci, belle fille. J'irai lentement ou vite. Ou très vite. Je me réglerai sur votre respiration. Accepterez-vous, mademoiselle, de danser avec moi cette valse? Certainement, monsieur. Vous avez eu une idée merveilleuse. Ce n'est pas une idée. Je suivais mon chemin qui passe par cette correspondance. Moi aussi. Je ne fais que suivre le chemin qui passe par une certaine correspondance. Et tu t'y arrêtes un instant? Non. J'y danse. J'y valse, comme autant que j'étais petite. Je rentrais chez moi en sautillant, en dansant. Mais je ne savais pas encore valser, alors. Aujourd'hui, tu sais valser. Tu valses merveilleusement. C'est la première fois. Ce n'est pas vrai. Si. J'ai appris toute seule. Je rêvais de valser un jour avec Anatole. Mais mon rêve était beaucoup moins beau que la réalité. C'est vrai? Tu ne le sens pas? Ah, si. Mais je n'ose pas y croire. Si tu n'y crois pas, toi, qui le croira? Ah, je le crois tout à fait. Je le sens. Ah, je trouve que nous sommes une valse merveilleuse. Et pourtant, nous ne sommes que deux. Même pas deux. Un. C'est vrai. C'est absolument vrai. Merci, Anatole. Merci, Ophélie. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils sont fous ou quoi? Oh, c'est étrange, ce pouvoir de la musique. C'est beau. Le pouvoir de l'amour. Déjà? Il manquait plus que ça. Comme si ça leur suffisait pas de se bécoter dans les rues. Et de s'asseoir sur les trottoirs. Pourquoi pas, déjà? Et de passer leur temps à ne rien faire. Et leur nuit à faire, Dieu sait quoi. Oh, déjà ou seulement, ne veulent rien dire pour un instant? Disons-nous. Si je ne parle pas, tu vas les entendre. Qui? Ils se moquent de nous. Danser dans un couloir de métro, c'est de la provocation. Nous sommes des travailleurs. Qui? Mais je ne sais pas qui. Les gens qui passent et ne s'aiment pas, et n'aiment pas les gens qui s'aiment. Oh, ceux-là. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Jeunesse pourrie. Jeunesse débauchée. Il y en a trop. Faudrait une bonne guerre pour s'en débarrasser. Ça, c'est bien vrai. Ophélie. Ophélie, bouche-moi les oreilles. Tu n'entendras plus la musique? Ton corps me suffira pour valser. C'est pas gentil pour le joueur d'accordéon. C'est vrai, mais je n'arrive pas à ne pas les entendre. Monsieur, tu veux jouer plus fort? Oui, plus fort et plus vite, au rythme de vos cœurs. Allez-y, les enfants! Oh, merci, Ophélie. Merci. Mais... Écoute la musique, Ophélie, écoute. Mais... Après. Tu n'as pas fini ta phrase. Ce n'est plus utile. Tu allais pourtant dire quelque chose. Écoute la musique. Un oiseau. Une fleur. Enfant de l'amour. Enfant du hasard. Fils et fille de personne. Nous avons attendu. Et connu, soudain. Un oiseau.
Une fleur. Un enfant. De l'amour. Un enfant. Du hasard. Le fils de personne. Le fils de personne. La fille de personne. Anatole. Ophélie. Qui ont aimé d'aimer. Anatole. Ophélie. Oiseau tombé du nid. Fleur en bouton. Ami. Amant. Anatole. Ophélie. Enfant. Aimant à la folie. Les oiseaux. Les fleurs. L'amour. Le hasard. La valse. La vie. La valse de la vie. La foule. La foule qui roule. La foule qui foule aux pieds. Les oiseaux. Les fleurs. Les enfants. Les enfants. Les amants. La foule qui roule. La foule qui foule aux pieds. La vie. L'amour. La mort. La mort. La foule. La foule qui... Alors, t'as pas compris, petit crétin, ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne vous connais pas. Quelle toupée, depuis le temps qu'on les regarde. Ils diraient n'importe quoi à n'importe qui. Vous avez vu sur quoi ils dansent? Un carton à dessin. Ce sont sûrement des affiches. Alors, jeune homme, refuse de causer à un vieux de la vieille. Filez, les jeunes, filez, sans quoi ça va chauffer pour vos oreilles. Mais nous n'avons fait que danser. Moi, en tout cas, je file. Et merci à la petite. Regardez leurs yeux. Anatole. Ce qu'ils ont, nos yeux. Ils sont beaux. Oh, laissez-les. C'est de leur âge. De leur âge. De provoquer les travailleurs, les vieux, les paisibles citoyens. De danser dans un couloir de métro. D'exploiter un pauvre aveugle pour se livrer à des jeux douteux. Pas étonnant qu'on en soit là où nous en sommes. Oh, ça c'est bien vrai. Il faudrait une guerre pour leur apprendre. Apprendre quoi? Ah, il m'a giflé, vous avez vu? J'ai des témoins, hein. Moi aussi, j'ai des témoins de ce que tu as dit et des témoins de ce que j'ai fait. Ah, faut appeler la police. Je crois, en effet, qu'il va falloir appeler la police. J'ai des témoins. Nous serons tous témoins. Eh bien, pas moi. Comment pas vous? Je ne veux pas avoir d'histoire. Et j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Tout de même, vous aurez quelque chose à raconter ce soir chez vous. Peut-être que je raconterai quelque chose. Peut-être que je ne dirai rien. Pourquoi? Je ne veux pas avoir d'histoire chez moi. Ah, je vois. Vous êtes un employé. Non, mademoiselle. Je suis fonctionnaire. Oh, je vous prie, monsieur, de m'excuser. C'est bizarre que ta voix suffise à calmer tous ces gens. Ça va pas durer. Puis c'est pas ma voix qui les calme. C'est la peur d'être témoin. Tu crois? Oh, j'en suis sûre. Et pourtant, je suis en tort, je l'ai frappé. Ah oui, tu l'as frappé. C'est un acte et tout le monde sait que les actes sont jugés beaucoup plus sévèrement que les paroles. Mais on va pas les laisser partir comme ça. Il m'a giflé. C'est vrai, il a été giflé. Madame, vous acceptez de témoigner? C'est-à-dire... voyons, quelle heure est-il? Oh non, non, c'est trop tard. Ah, bien sûr! De toute façon, il est trop tard pour eux. Vous voulez insinuer que nous sommes trop vieux? Je veux rien insinuer du tout. Non, je trouve seulement que nous perdons notre temps. Ça n'a pas d'importance parce que nous en avons à revendre. Même nous en avons à donner. Tandis que le vôtre est compté. Précieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous partis. Parce que leur temps est compté. Précieux. Bah oui, mais mes témoins... Ils sont déjà sur le quai. Ils roulent déjà peut-être vers un destin inattendu. Peut-être qu'il va y avoir un déraillement. Ou peut-être que vous nous devez la vie. Ils sont tous partis. Pas moi. Oh bah oui, mais vous, c'est pas... Oh, cela vous ferait plaisir que je témoigne en votre faveur? Mais vous étiez avec lui. Enfin, vous dansiez avec lui. Ah oui, mais si vraiment ça vous fait plaisir... Je suis sûre qu'il m'en voudra pas. N'est-ce pas, Anatole? Fais comme tu veux, Ophélie. Tu es exactement comme j'aimerais que soit celle que j'aime. Vous voyez, monsieur. Ça va pouvoir s'arranger. Mais quelle mentalité! Pourquoi? Enfin, c'est votre ami. Anatole, n'est-ce pas que tu es prêt à jurer qu'on se connaissait pas il y a une heure? Ah, mais bien sûr que je le jurerai. Même devant un tribunal? Ah, oui, même devant un tribunal de droit médiocre. T'es drôle quand t'es heureux. C'est pas un tribunal de droit médiocre.
Mais tribunal de droit commun, qu'il faut dire. Ah, oh, tu sais, médiocre commun, pour moi c'est pareil. En général, oui, mais pas dans le cas du droit. Moi, je comprends pas bien ce que vous dites, et puis j'ai un train à prendre. Mais il vous a giflé. Oui, je sais, à mon point de vue, c'est moins commun, moins médiocre que de vous avoir lancé un jet de fumier sur la figure. Ou un œuf frais sur la nuque. Mais vous n'êtes qu'un simple quidam, vous. Bien que ça sente assez mauvais dans les couloirs du métropolitain, oh, ceci dit, hein, sans aucune arrière-pensée, sans reproche aucun. Car après tout, hein, l'odeur du métro, c'est la nôtre. Celle des blancs qui écœurent tant les noirs. Bon, je disais donc, pour en finir avec le fumier et les œufs, qu'on n'en trouve pas dans le métro. Alors que des mains dans le métro, il n'y a que ça. Oui, ben moi, je comprends toujours pas. Monsieur, si vous n'étiez pas un ancien vieux de la vieille... Je dirais... Eh ben dites, je vous en prie. Je dirais que vous faites l'âne pour avoir du son. Parce que n'importe quelle fille qui a pris le métro sait que les hommes qui prennent le métro ont 2 mains, 10 mains, 100 mains, 1000 mains. Les rames sont pleines de mains. Et qu'à la fin, même si je veux bien témoigner contre lui pour vous être agréable, je trouve que dans le métro, il vaut mieux mettre la main sur la joue de son voisin que de la mettre là où sont déjà 2 mains, 100 mains, 1000 mains. Ah, ça! Alors ça, c'est bien vrai, mademoiselle. Tous ces cochons, les mains. Oh, vous avez bien raison, moi, je vous approuve. Mais il vous a giflé. Ah, ben, c'est de son âge. Ça alors? Ça alors? Mais ça alors? Ah, ben oui, mais moi, je suis pas un cochon. Les jeunes m'énervent, c'est vrai, mais je suis pas... Ah, ben, quand je les vois, enfin, quand je les entends... Eh bien... Je les trouve beaux, moi, et... Dites! Ah, dites, c'est compliqué, moi, je sais pas bien parler. Mes décorations, je les ai eues à la guerre, mais en classe, j'étais pas brillant. Moi, j'ai jamais bien compris ce qu'il y avait d'intéressant dans les études. Tandis qu'un canon... Oh, ben alors là, oui, alors là, oui, alors là... Alors là, parlez-moi d'un canon. Un canon, c'est lourd comme une voiture, brillant comme un pur sang et fort. Et c'est violent, un canon, c'est précis. Oh, si vous saviez ces joies que j'ai connues à régler le tir. Oh, j'avais seulement peur pour le gars qui, suspendu à sa saucisse, nous précisait les distances, en plus ou en moins. Oh, que c'était beau dans le brouillard ou sous le soleil de régler l'angle de tir, là, de charger et d'envoyer au loin un obus qui allait faire mouche, là. Pshioum ! Oh, on jouait comme des brutes. Oui, on avait la pétoche, on picolait, puis on les a eus. Et mon canon, savez-vous, jeunes gens, qu'il est aux Invalides ? Plusieurs fois par an. Chut, écoutez, j'y vais en cachette pour le voir. Et il y a encore sur l'affût les dessins que j'y faisais avec mon canif il y a plus de 50 ans. Vous êtes si vieux que ça ? Hein ? Ah, ben mademoiselle, j'étais peut-être plus jeune que vous l'êtes quand je suis parti au front. Au fond, ce canon, c'est comme un jouet. Alors, oh non, 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 oh, pas absolument un jouet, non, non. Je l'aimais, comment dire, comme on aime un cheval, un fusil, un bel outil, une machine, une locomotive. Oh, je sais pas. Enfin, c'est fort, vous savez, un canon. Mais... Sois prudent, Anatole. Tu as raison, Ophélie, je serai prudent et respectueux. Et d'abord, acceptez-vous, monsieur, mes excuses, une fois pour toutes, pour la gifle que j'ai donnée à un voyageur anonyme qui circulait dans un couloir de correspondance où j'étais heureux de danser la valse avec mademoiselle. Oh, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me parles maintenant comme si j'étais une vieille comtesse ou un ministre. Mais parce que je vous respecte et que les gens respectables sont intimidants. Je suis un peu gêné, je suis donc pas naturel. Ah, bah oui, mais tu sais, gamin, que moi, je pourrais être ton grand-père. Bon, de vous à moi, on peut se dire n'importe quoi maintenant, même si ni l'un ni l'autre ne comprend. Cette gifle, à la fin des fins, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah, qu'est-ce qu'on... Eh ben, c'est fini, on n'en parle plus. Ah. Tu m'as expliqué que tu m'avais frappé parce que tu... Bah, enfin, non, n'en parlons plus. Merci. Oh, tu sais, j'en ai vu d'autres. Ah, ben, j'imagine. Je pourrais t'en raconter toute la soirée, toute la nuit, et durant des jours et des jours. La guerre, au fond, c'est un peu votre vie. En tout cas, les souvenirs m'aident à vivre.
C'est dans ce sens-là que vous disiez que cela nous ferait du bien. Tu m'as compris, exactement. Ça, ça vous apprendrait tout. Ah. Au fond, vous regrettez votre canon. Oh oui. Vous faisiez en quelque sorte corps avec lui. Ah, si tu savais tous les noms que je lui donnais. C'était mon ami, ma femme, ma maîtresse, mon enfant, tout, tout, tout. Tandis que maintenant... Oh là là, métro, bureau, dodo... Il n'y a plus que les souvenirs pour me soutenir. Mais vous avez été un héros quand même. Je n'ai fait que mon devoir. Je voudrais vous demander encore une chose avant de nous séparer. Mais vous allez rater votre train aussi. Oh, pouh, il est déjà raté. Alors vous avez encore un instant? Sois prudent, Anatole. Oui, oui, Ophélie, pardonne-moi d'être si curieux, mais tu sais, c'est tellement rare de rencontrer un homme qui parle dans le métro. Sois prudent. Enfin, de quoi vous avez peur, mademoiselle? Nous nous comprenons très bien. Ses yeux ne me disent rien qui vaille. Ophélie, mon Ophélie, écoute, il faut que tu entendes toi aussi ce qu'il va dire. Car j'ai peur, Anatole, de tes yeux, de ta gentillesse, de ton respect. Allez-vous-en, monsieur. Oh, pas avant d'avoir répondu. Partez. Partez vite, je le connais, je sais les questions qu'il va vous poser. C'est un homme, vous savez, Anatole. Vous l'appelez gamin parce que vous vous sentez vieux. Mais vous lui parlez comme un égal parce que... parce qu'il vous a giflé. Que vous lui avez pardonné et qu'il vous inquiète un peu. Et que vous avez aussi à vous faire pardonner beaucoup de choses. Quelles donc choses? Moi, je comprends pas. Hélas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien, j'étais tellement obsédée par ton regard que sans le vouloir, c'est moi qui en viens à poser des questions. Oui, hélas. Anatole, tous les mots que j'ai à dire, ça me fait froid partout. Eh ben moi, je comprends rien. Eh ben il n'y a rien à comprendre, sinon que nous nous aimons, voilà. Ah ben ça, vous avez bien raison. J'ai froid. Ah ben, si nous partions. Non, nous avons encore quelques minutes. 7, exactement. C'est plus qu'il n'en faut. Mais enfin, pourquoi à la fin? Hélas, c'est bien simple, à la fin, il vaut mieux le dire tout de suite. Je voulais dire, enfin nous voulions dire, nous voulions vous demander, elle et moi, avant que vous ne preniez votre train, si, avec votre canon là, vous aviez tué des gens. Ah ben, il manquerait plus que ça. J'ai tué des dizaines, des centaines d'ennemis. Oui, naturellement, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, comme tous les héros, mais... Est-ce que vous avez vu des monceaux de corps, des bras, des troncs, des intestins, des têtes, je sais pas... Oh, c'est pas le pire. C'est loin d'être le pire. Ou alors, monsieur, ne dites pas le pire. Car j'ai deviné ce que c'était. Et Ophélie, il faut savoir écouter les témoins. Leur témoignage est plus vraisemblable que notre imagination. Je sais ce qu'il va dire, Anatole. Faut pas qu'il parle des yeux qui regardent et qui sont vides de vie. Faut pas qu'il parle des bouches ouvertes pour hurler le nom de l'amour ou seulement pour cracher mêlé de sang. Un abominable cri. Mais comment vous savez tout ça, mademoiselle? Parce que tandis qu'Anatole parlait de viande, de chair arrachée, de boyaux, je voyais dans vos yeux tous les souvenirs dont vous vivez depuis 50 ans. Vous aviez les yeux tellement brillants, tellement gonflés de sang, rouges, pareils à ceux de mon chat, lorsque, tremblante de ses quatre pattes, se cabrant soudain, il va se jeter sur une souris. Ah oui, en regardant votre regard, en essayant de voir le reflet de mon visage dans vos yeux, pareil à la souris, je n'ai vu que le sang, les cris, les yeux vides de vie. La mort, quoi. Ah non. Oh, pas la mort, mais la guerre. Ah, quelle différence. La guerre, c'est pas la mort. C'est la lutte pour la vie. Ophélie, je vais peut-être faire un malheur. Calme, calme, reste calme. Tu entends ce qu'il dit? J'entends, Anatole, je suis attentive. Et je suis sûre qu'il va dire des choses intéressantes sur même la guerre. Même si ce qu'il doit dire est intéressant, cela ne m'empêchera pas de faire un malheur. Petit. Petit quoi? Bon, un petit malheur. Ben, bien sûr, je suis pas un homme, moi. Et je ne le serai jamais si je dois l'être à ce prix-là. Voici exactement, jeune homme, tout ce qui nous sépare. Mais... Laisse-le parler. Et il va rater son autre train. Il n'en a plus pour longtemps. Ah oui, tu veux? Oh, je veux.
Bon, soit, je vous écoute. Gamin, j'avais ton âge quand je suis parti à la guerre. Je le faisais pour défendre seulement ma peau. Et il faut que tu comprennes, moi j'ai pas de culture, hein, ni d'expérience savante. Qu'il y avait en ce temps-là des gens qui préféraient mourir à être vaincus, pour commencer. Et puis ensuite, il y a eu la peur. Et moi, tu sais, j'avais très peur. Et je pensais pas du tout. Alors, il me restait donc le choix entre l'amour de mon canon et de foncer, ou le risque, c'est arrivé, de mourir au peloton d'exécution. En somme, le choix entre tuer ou crever. Alors, j'ai tué, sans m'en rendre compte, sans penser à autre chose que d'en finir et de rentrer chez moi. Et je suis vivant et décoré. Et puis, il faut pas oublier quand même, si tu peux danser dans le métro aujourd'hui, c'est bien à nous que tu le dois. Oui, bon, bah alors, pourquoi nous en empêcher? Mais... Au nom de quoi? Mais on commence à le savoir que nous devons la vie à un acte sexuel, voulu de nos parents, tu parles? Un sacrifice volontaire, une communion cosmique? On commence à le savoir ce que nous avons coûté en clinique d'accouchement, en lait en poudre, purée de féculents, viande hachée, frais pharmaceutiques, nuits sans sommeil, jours sans repos, vacances, sans détente, frais de scolarité. Mais on commence à le savoir ce que nous avons coûté en chaussures, en téléphone, en voyage, en billets de spectacle, en budget d'éducation familiale, et d'allocation nationale, et de la sécurité militaire, et de la défense sociale, et de le... Il va rater son train. Et moi, je suis en train de rater mon discours. Ah, bah non, moi, j'écoutais, hein. Ah, et puis, j'ai rien à dire, et je dois rien à personne, puisque j'ai rien demandé à personne. Oui, vous pouvez le garder, le droit de ne pas rater le train, le droit de l'expérience, de l'habitude, de la supériorité, mais foutez-nous la paix. C'est le cas de le dire. Et laissez-nous danser quand vous courez. Laissez-nous la liberté que vous avez si chèrement acquise d'être ceux que nous sommes. Ophélie et Anatole, qui nous aimons sans nous connaître, ce qui est tellement plus beau que de se connaître sans s'aimer. Et amen. Eh ben voilà, ben oui, ben oui, ben j'ai rien compris une fois de plus, moi. Je comprends rien. Et ce coup-là, je pars sans espoir de comprendre jamais rien à la jeunesse. Mais pourtant, il vous a giflé. Et il vous a expliqué. Ouais. Eh ben, je dois être trop vieux. Mais non, monsieur. Partez vite, là. Vous allez manquer votre train. Vous n'êtes pas trop vieux. C'est nous qui sommes trop jeunes. Écoute, il est revenu. Hein? Qui? L'accordéoniste. Ah oui, c'est vrai. Je lui ai demandé de jouer une valse. Oh non, non, j'en ai plus envie. Parce que... à cause du vieux? Ouf. Du vieux et des autres. Anatole. Anatole. Moi aussi? Pas encore, mais... Pas encore, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi, il y a un instant, Anatole, dans la rame. Mon carton à dessin, nos prénoms. Oh, il y a si longtemps. C'est pas vrai, Anatole. Anatole, tous les vieux sont partis. Ils menacent les autres. Il y en a plein. Regarde. C'est de la provocation. Nous sommes des travailleurs. Jeunesse pourrie. Jeunesse débauchée. Il faudra une bonne guerre. Ces têtes qui nous regardent, qui ne veulent pas de notre rencontre. Nous allons sortir. Tant pis pour la correspondance. Dans la rue, ce sera pire. Il fait froid, il y a les voitures. On ira prendre quelque chose de chaud dans un café. Dans les cafés, il y a des glaces partout et j'ai peur maintenant de me voir. Il faut me laisser, Ophélie.
Anatole. Ophélie, c'est vrai ce que je dis, je suis pas capable. Mais capable de quoi? Tu vois, depuis qu'il est parti, je n'ose plus te regarder. Non, je suis pas capable de payer le regard d'Ophélie de tant de cadavres, de tant de haine, de tant d'envie. Après tout, je ne suis qu'Anatole. Anatole, je ne suis qu'Ophélie. Tu ne sens pas tout le poids de ces cadavres sur ton corps. Ton cœur n'est pas étouffé par ces millions de squelettes et de croix. Je sentais tout cela, mais il y a eu... Mais tu vois que tu... Non, je ne vois rien, je verrai rien tant que je n'aurai pas retrouvé ton regard. Il est trop tard. Tu mens. Mais tu les as vus? Tu les as entendus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais pour moi, rien. Rien, Anatole. Tu m'entends, Anatole? Ne fais jamais rien pour moi. Même si ton regard, qui refuse obstinément de croiser le mien, aperçoit les larmes qui coulent en ce moment de mes yeux, tellement j'en ai marre de toutes ces conneries. Et de toi qui es triste. Même si n'importe quoi. Ne fais jamais rien pour moi, d'abord parce que je sais, Anatole, que je n'en vaux pas la peine. Oh, et puis non. Oh, je dirai ce que je pense, Anatole. Je dirai ce que je pense, Anatole. À Anatole. Maintenant, il est trop tard. Je suis comme les autres, trop vieux. Tu mens, Anatole. Crois-moi, tu mens. T'as envie de vieillir pour avoir une excuse comme les autres. Parce que les autres viennent de te faire mal, comme ils m'ont fait mal à moi aussi. Mais nous avons... Oh, je sais ce que tu vas dire. Non, tu ne sais pas. Tu ne sauras que si je te le dis. Serait-ce possible? Quoi? Qu'il y ait autre chose que ce poids des cadavres et du souvenir. Que t'es bête! Il t'en fait peur parce que tu étais toute à la joie de notre rencontre et qu'il faisait un peu chaud pour valser et que le mouvement des voyageurs faisait tourner nos têtes. C'est vrai. J'étais un peu ivre quand je l'ai giflé. Et moi, je suis saoule d'avoir perdu ton regard. Mais ta main est encore dans la mienne. Et un instant, nous nous sommes regardés. Aimés. Nous avons connu un instant d'amour. C'est plus beau que la musique. Plus beau que n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour être amoureux. Il suffit de... De rien, Anatole. Il suffit d'aimer. Tu comprends? Un point. Une barre. Ça sert à rien, ni à personne, c'est comme ça. Voilà tout. Ophélie. Tes yeux. Tu me regardes enfin. Ophélie. Enfant. Aimant. À la folie. Les oiseaux. Les oiseaux, les fleurs. L'amour. Le hasard. La valse. La vie. La valse de la vie. La foule. La foule qui roule. La foule. La foule qui foule aux pieds. Les oiseaux. Les fleurs. Les enfants. Les amants. La foule. Qui roule. La foule. Qui foule aux pieds. La foule. Qui foule aux pieds. La vie. L'amour. La mort. La mort. La foule. La foule. La foule. La foule qui... La foule. Ah, Ophélie. Anatole. Ophélie. Anatole. Ophélie. Anatole. Ophélie.